Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est toujours un réel plaisir d'être devant vous pour un nouveau numéro où nous allons encore parler de notre chère République démocratique du Congo. Je dois dire merci pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Et si vous êtes là et à la fin de l'émission, si cela vous a plu, n'oubliez pas de nous laisser un petit message, un petit coucou. Ou pour nous soutenir, abonnez-vous sur notre chaîne afin que nous puissions vous donner encore beaucoup plus des émissions qui parlent de cette réflexion de la reconstruction de notre pays. Chers amis, ici nous sommes dans la réflexion d'une solution et c'est cette solution-là que nous avions parlé, cela a fait depuis 2 ans, nous avions parlé de la réorganisation de la du peuple à la base, c'est-à-dire comment est-ce que nous pouvions organiser le peuple à la base afin qu'elle puisse se prendre en charge, afin que la population à la base puisse se sentir impliquée dans la gestion et que la population à la base puisse aussi avoir son pouvoir, avoir le pouvoir d'exercer son pouvoir au fait. Parce que dans ce que nous avons comme système aujourd'hui, le peuple est devenu comme un marchepied où certains hommes, certains politiciens viennent pour s'enrichir, faire de cette population comme si ce sont des brebis ou bien des abatunabango. Alors nous ici à Contact Pro Live, nous avions pris une option de faire réfléchir, de donner une certaine solution à notre pays. Et nous sommes très contents parce que cette solution prend de plus en plus forme. Les autorités actuelles, ceux qui sont au pouvoir, commencent à s'en approprier. Ce n'est pas que nous sommes en train de chercher du travail, mais nous sommes contents que l'idée que nous avions lancée et que nous nous sommes dit que c'est cela qui va constituer le changement que le peuple est en train d'attendre. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous aviez compris, nous allons parler encore une fois de plus, des 145 territoires de notre pays, comment est-ce que nous pouvons y aller pour mettre ce programme-là que le gouvernement est en train de se dire que non, ça c'est un programme qui viendra sauver le pays. Mais nous voulons à ce que cette fois-ci, que ce programme ici, dès qu'il est lancé, qu'il soit lancé dans le bon et que tout le monde puisse finalement adhérer à ça, à comprendre d'abord qu'est-ce que la gestion des 145 territoires va impliquer. Comment est-ce que ça va? On va y arriver comment? Et je vous dis, mes chers amis, selon notre conception, selon que nous avions parlé de ça, nous avions voulu à ce que ce projet-là des 145 territoires soit une porte d'entrée dans la 4e République. Alors, comme d'habitude, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Et puis, nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet, les 145 territoires. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Ituri, 25 combattants ADF tués par l'armée. Et puis, Madame Mouchobe Kouamari-Ange dit « La justice a été rendue à la veuve et aux orphelins de Rossi Mukendi. » On va sur actualité.cd. Procès Rossi Mukendi, les réactions s'enchaînent après la condamnation de Karine Lukeso. Et puis, des Rwandais affirmant fuir la vaccination anti-Covid arrive sur une île congolaise à Idjoui. On va sur Congo profond. Sandrou SASBL résolument engagé à contribuer à la couverture santé universelle en RD Congo. Et puis échec de projet initié par Félix Tshisekedi. Nous sommes des voleurs, dit le ministre José Mpanda. On va sur 7 sur 7. Les 3 délégués de l'opposition ont été ils ont prêté serment ce jeudi. Pénurie du carburant au Maniema, la situation est sous contrôle, dit Didier Boudimbou. On termine par Radio Okapi, 40 otages des ADF délivrés par les FARDC. Et puis Goma, rétablissement d'eau dans 8 quartiers après 6 jours de pénurie. Merci, on se retrouve demain dans un nouveau numéro, au revoir.
Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, l'actualité est toujours prédominée par les scandales qui ne cessent de tomber de jour en jour. Bokola la boebola muki o batbazo fingana. Nous, cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, ce sont les solutions. Tozo kende wapi. Est-ce que le gouvernement actuellement, est-ce que le président actuellement a ce pouvoir-là, il a cette vision-là de changer les choses en République démocratique du Congo? La question est de savoir, nani angwaza ko tenir manette ya ko diriger mbo kanabiso. Est-ce que le président Fachi, Félix Tshisekedi, est un président apparent? Est-ce que Azaka ka étiquette, azana pouvoir ya ko sala makambu? Beaucoup de gens parlent de manque de vision. Beaucoup de gens parlent de ce président-là, novice, qui ne connaît rien, qui est encore en train de se chercher, qui n'a pas une vision exacte et comment exécuter cette vision-là. Est-ce qu'ils ont un plan à sortir à ce que Tozong Isambo Kanabiso na raya développement? Beaucoup de gens commencent à se poser ces questions-là, au vu et aussi de ce qui se passe exactement. Bandeko. Président Nabiso Tangwa yé na pouvoir, Tangwa a commis na 2019 ou na koti na pouvoir, c'était justement, et puis yé mou kwa louba kango na ba interview na eke, personne ne sait ce qu'il doit faire s'il n'est pas encore à la manette de notre République. Allons-nous encore vraiment continuer dans cette situation-là? Est-ce que Ngaï, ce qui n'a pas d'idéologie, ce qui n'a pas planté, il y a qu'au diriger Mbokawana, je peux toujours m'improviser par là, être président de la République? Bandeko, wana nyoso ezali conséquence et système autozana kati. C'est la conséquence de ce système qui a fait que on a bafoué, on a pratiquement désacralisé la fonction du président de la République. Donc, chance et l'okopamba, vous l'avez entendu souvent dans la bouche des Congolais. Chance et l'okopamba. Okikola mukalelo boye, obetino zwi kalashnikov, oye, okomi pe président de la République, tu ne sais pas ce que tu dois faire de ce pays-là. Je me rappelle toujours d'une parole de Mouzé, lorsqu'il conquérait le territoire, Erwana Bisotozaki na Bukavu, assis à conquérir Bukavu, na meeting na ya loba kabo ya lobi, bandeko. Nous pouvons gagner la guerre, nous pouvons conquérir le territoire. Mais l'essentiel, c'est qu'est-ce que je fais de ce territoire-là conquis? Il parlait de l'administration ya ba territoire wana ezalaka konkita ngwaza ko kozwa bazui Bukavu bazui Goma bake bazui Kisangani Makobola est tombé tant Kisangani est tombé. Il a commencé à dire, à parler aux gens, à disant que non bandeko, nous pouvons gagner cette guerre là, mais l'important c'est quoi? C'est que qu'est-ce que nous faisons de ce territoire là conquis? Tokosala na ngo nini? Tozo kende na ngo nini? Quel est le plan Marshall que nous venons avec pour que Batubar bamona babi, oui, bokonzi oyo toye na ngo, eza salutaire pour na mboka na biso? C'est là le grand problème. Problème en ngo eza te que non, lelo onaza président de la République et c'est tout. Nous voyons ça aujourd'hui. Le président Fachi arrive au pouvoir, il commence à tâtonner par des programmes de 100 jours, programme Boye. Je me dis, est-ce que c'est vraiment l'homme que le Congolais attendait? Il y a le candidat malheureux Noël Tchani, qui est avec un livre du plan Marshall de la sortie du problème du Congo. J'ai eu cette amabilité de Yakotanga et Lokoana. Azana Baboul Nae Pekaka, parce que j'ai lu cet ouvrage-là, mais je n'adhère pas à ce système-là, parce que nous sommes toujours dans un système unitaire qui ne donne pas le pouvoir au peuple. Et c'est là le grand problème. Nae Bite Soki, peut-être ma kanis nanga inde naza mabe ou bien quoi que ce soit, parce que je ne dis pas que on denge nazo kanisandeza absolu, non. Moi, je suis convaincu que si le peuple n'est pas engagé dans la gestion de la chose, cette chose-là ne perdurera pas. Place, disons, Kokoso na biso eza wapi, biso ba Congolais. Il faut que nous nous posons cette question-là. Où est notre problème? Où se situe le problème que nous combattons? Est-ce que toza na image réelle, yeloko o biso toza ko combattre? Et là, on a commis ce biso à na mboka oyo ezangi
État mobimba ezate, l'État n'existe pas. Les gens négligent l'État. Na biro ya localité batu bakenda kate kuna musale za lakate. Musala alete koma musala alete za lakelo komuko wa pamba. Comparativement à d'autres pays dans lesquels nous sommes ici, par exemple à Johannesburg, aucun bureau à l'État. Okokuta batu bazo sala musala de 8h à 16h mutabimi kuna si à Toki. Quand tu arrives dans un bureau de l'État, tu sens que les gens travaillent. Mais chez nous, c'est le contraire. Tu vois qu'il y a un bureau à 11h, qu'il y a un 12h. Ils n'ont rien à faire. Le changement, c'est que nous remettons le peuple congolais au travail. C'est ça le changement que le peuple attend aujourd'hui. Changement, il y a que le peuple congolais a zonga moussala. Bandeko, ko zonga moussala yango pe, ce n'est pas pour aller chercher son père, c'est pour aller travailler pour que le pays aille de l'avant et que na moussala wana sikoyo, ne biso batu ya ba congolais toko se retrouver. Que nous pouvons créer des emplois, que nous pouvons créer des stades, toko yiko sala ba makambu, normalement. Mboka na biso soko zui moussala na l'État, ça assure votre survie. Oza ko futa ma malamu, batu baza ko sala ba mesanaria na bango malamu, ba musicien baza ko se retrouver, ba to bazo teka baza ko se retrouver, les gens ont le droit, batu baza ko sala boye, ils peuvent dire que non dans 2 ans na ko sala eloko oyo evi ya mbongo oyo na za ko zwa. Nous regardons dans notre pays, batu nyonso bazo lela. Et on incrimine qui? On incrimine l'État. L'État est allé, ils ont salé la bisoté. Mbokao et Pesa biso est là comme mon côté. Mbokao et salé la bisoté est là comme mon côté. Les autres, les gens qui sont en exil, vous attendrez ça. Ils disent, ah, Mbokao est si Koufa Nango. Le président de la République lui-même déclare ça que Mbokao est Koufa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État congolais n'existe pas. Ou l'État congolais ne fonctionne pas. C'est ça la signification exacte. Oh, papa Mokonzi Alobaki, Mbokao est si Koufa Nango. Mais maintenant, les plans de sortie, ils animent. Bandeko, plan de sortie, autolobe la kibino a, il y a à peu près 2 ans, au biso to bandeko lobe la. Nous avions dit qu'il faut refondre l'État. Toko refondre l'État, te kana maloba. Que tozo bande la zéro. Quelles sont les actions que nous devons prendre? Action ni nango toko zoapo na koloba keno. Nous sommes en train de reconstruire ce pays. Bah, si on a bisou et fouet Zalanini, il faut que l'homme congolais soit au centre de tout. Ce n'est pas que nous allons faire encore des hommes forts. Non, nous devons faire travailler l'homme congolais dans un système que l'homme congolais aurait qu'on se retrouve dans Kati. Je vous donne un exemple. Bah, médecin, quand le médecin, les ingénieurs et tous ces intellectuels congolais, quand ils quittent son pays, Ayena Mboka Mopaya, ils sont appréciés. Ici en Afrique du Sud, les ingénieurs sont appréciés, les médecins sont appréciés. Dès que Bakoti na système où ils ont fonctionné, vous allez voir que Congolais aza travailleur, il est intelligent. Vous trouverez des professeurs aux États-Unis, vous trouverez des grands hommes partout où ils sont. Il y a des maires même en Angleterre, baza ba Congolais, Boyoka Kiango dernièrement. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant chez nous? Parce que structure wana ya mboka nde ezamabe ekweya. Et c'est là où nous sommes en train de nous dire, là c'est là où nous devons focaliser notre attention à koloba keno. Place wana nde to échoua. Nous avons échoué. Qu'est-ce que nous avions fait pour dire que nous avions échoué? Nous avons mis l'homme au centre de tout et on a laisser les institutions. Or, nous avons inversé ces valeurs-là. L'homme congolais doit construire les institutions, qui doit les gérer. Bandeko, c'est pas pour rien que nous sommes en train de nous dire que Mobeko Yamboka. Nous voulons mettre Mobeko Yamboka au-dessus de tous les hommes. Donc, mettons l'attention à construire une bonne constitution qui sera facile à adapter. Oh, Moutounio, surtout à comprendre. Oh, yo. Ne fût-ce que 55% à Batou, ou bien 60% à Batou. Bako comprendre que non, le bienfait de tous, c'est de respecter une constitution qui est lisible, qui est compréhensible.
Constitution na biso ya lelo ezali na ba kokoso ebele eza na ba terme eza na ba biloko mususu oyo batu soki ba bandi kolobelo yango batu biso nyoso ta mususu nous sommes perdus et eux-mêmes les constituants se perdent dans cette même constitution. C'est pour cela que nous quand germé l'idée à koloba bandeko refondons l'état. Il faut tout refondre l'état. Je vais vous donner un exemple ici bandeko. Lorsque l'Afrique du Sud babandi koyo kanana ba mindele awa, ceux qui suivent l'histoire, charte na bango eza ya page moko. D'autres parlent de ce que bonne conscience faut batu bazala animé de bonne foi. Non, oui bien sûr ba culture eza différent. Nous ne sommes pas na culture oyo batu bazako diriger to konté na bonne foi na bango. Aujourd'hui, on parle que non, le président de la République a la volonté de construire ce pays. Qui n'a pas la volonté à construire Mboka Oyo? Nous tenons soit la volonté à construire Mboka Oyo. Tout le monde qui vient, il vous dira que c'est moi qui ai la volonté. Ngai, naza entouré seulement na batumabe, ngai naza na volonté, on essaie un peu de déifier l'homme, de dire que non, Tshisekedi, c'est l'homme qu'il nous faut. Nous avons besoin peut-être d'un dictateur ou à Kobeta Batufimbo. Nous sommes, tant on a la dictature, et si elle est le cas, qu'est-ce que nous devons faire, Bandeko? C'est pour cela, projet Oyo, il y a 145 territoires, Ezali Nini. Le projet de 145 territoires en soi, c'est de rétrocéder le pouvoir à la base. Maintenant, dans cette émission, nous y arriverons comment? C'est ça la question. On va y arriver comment? Quelles sont les étapes que nous devons franchir? Et quels sont les objectifs en faisant partie, en disant que non, les 145 territoires de notre pays, regroupés en 6 provinces, nous pouvons avoir des gens qui peuvent s'exprimer, le peuple à la base. Si elle s'organise bien, si à la base nous pouvons avoir les consensus et travailler ensemble dans nos territoires, nous avons l'application de notre constitution scrupuleusement dans les territoires, tu appliquer en Ngomalamu, Kokoso Koya na ba province te, Kokoso Kouta na nanani te, na gouvernement central te. Bah, tu vas compliquer biso, oh décentralisation, oh fédéralisme, tous ces mots-là qui nous compliquent. Alors, nous allons y arriver comment? Comment allons-nous engager ce programme-là? Bandeko, na subdivisa ki angwa wana 3 parties. Na émission à Léolo, Tolobela, na 3 parties wana. Nous avons engagé, comment allons-nous engager, je m'excuse, comment allons-nous engager simplement et compréhensivement la réalisation? Allons-nous engager simplement la réalisation de ce projet dans des termes très simples et compréhensibles par tout le monde. C'est-à-dire quoi ici? Bandeko, awa na bandeko ba na lobby, hein? So ki to bengi ba conférence ba état de lieu ya ba territoire. Pourquoi ba état de lieu? C'est là où nous pouvons dire que na territoire oyo ba nani yango bazalaka awa. Et convoquer ces gens-là qui sont reconnus par le peuple à la base,
basala basala ensemble. Et ces gens-là, on les retrouve où aujourd'hui? Les autres sont des sénateurs, les autres sont des parlementaires. Batumsusu pe ba notable ba zali na côté ba ya chaque territoire ba notable ba yebani. Et qui peut organiser ça? Ce sont les athées, les administrateurs de territoire. Na ba député o ba ko ko za la ba notable o ba ko ko lo ba non ba chef coutumier to za la. Prenons un échantillon de 300, 400 personnes, on donne le profil. Ya batu o ba ko constituer nani ya katia territoire wana en tenant compte des tribus qui sont dans ces territoires là, parce que les composantes du peuple, ce sont les tribus qui sont organisées. Ba peuple baza organisé na katia ba tribu, na katia ba banani ba regroupement linguistique na bango na katia ba tribu wana kokuta ba tribu ya banande oza na katia ba territoire ba tribu ba ema banani ba. Okomona na territoire moko okokuta tam boza na 4 ou 5 tribus. Et donc c'est facile que na 4 chaque tribu epesa par exemple to ba 10 personnes ou bien 15 personnes ba tuana ba oyo ba koya ko représenter bango na kati ya ba état de lié ya ba territoire. Maintenant nous compterons sur le fils de ce pays là qui sont connus dans leur territoire. Batuna territoire on a bako kende ko réfléchir sur quoi? Sur l'administration, sur la sécurité, sur cette constitution, maquette ya constitution otokope sa bango. Ils vont réfléchir, ils vont donner leur agreement, ils vont produire un texte en disant voici ce que nous voyons, nous pensons que ce qui to sangani awa na ndenge abo ce qui. Alors l'opération la plus élémentaire eko découler na ba état de lié à ba territoire, esa identification à population dans les territoires qui sera prise en compte par les gens qui seront désignés par la conférence ou bien les états de lieux de territoire. O ba to nande ba kozala désigné na na koloba que non, ici nous formons notre groupe pour l'identification de la population. Tant que toko identifier population toko yeba banani baza mingi banani baza muke, et cela pourra dans la ndenge ya démocratie le gouverneur viendra d'où la campagne. Et puis nous allons nous dire que méritocratie qu'on a laissé sur tribu bien non. Méritocratie toko yoka na tolobi mutu tel nem to afois en tenant compte ya ba densité ya population que non. Na gouvernement par exemple na territoire na biso babenga bango bazape na bakombo ya ba échevin banani wana. Nous tenons compte à ba conseil ya batwa ya ba conseil des sages et tout ça. Batwa na to sali structure moko qui est propre à nous, qui nous sera à ce que biso awa onde toyokana. Donc premier nani wana premier action na za identification à population. Dès que batuna kati ba territoire ba si ba s'identifier toyebi ba commerçant baza banani toyebi ba policier na biso équipe ya sécurité à territoire na biso contrôle makandenge nini de gestion na biso koza la contrôlable. Comment est-ce que tout ça discuter au niveau à territoire? Et c'est de là que nous pouvons maintenant injecter l'argent. Togoya koloba siko batona basi bayokani toyebi ndenge nini bako gérer toyebi ndenge nini bako contrôler. Voici mbongo. Quel est le plan directeur ye oye koki ko faire circuler pays mobimba? C'est la construction bandeko ya ba maison ya administration à territoire. C'est là le grand problème. On a des fois kozala tant ou batunyoso baebi bozana 10 millions na bino par exemple na 10 millions na bokozwa par exemple 1 million ya ko construire bureau na bino oza ko constituer na 500 personnes. Ça ce sont les idées que nous avions donné à ceux qui nous ont adopté pour programme oya 145 territoires. Et comme ça ndenge nini batu oyo ba ko construire ba bâtiment wana, il faut que ces gens là soient choisis par ba conseil ya ba administration du territoire. Il faut pe sa ba mécanisme wana ezala ya nani. Alors tout ça, ça demande quoi? Ça demande une réécriture ya constitution na biso, parce que ce qui existe aujourd'hui est difficile à pratiquer. C'est pour cela que nous nous sommes dit ba état général ya ba territoire et qu'on découle na une certaine réécriture ya constitution. Oyo to koya ko sangisa ba texte wana na niveau ya province
et puis tu es si qu'on a ba province on a tué Kosangisango à niveau national où nous aurons à récolter une nouvelle classe politique désignée par les territoires parce que Batouana Batou Bakosa l'a désigné Bao Bakokende na territoire Bao Bakouta na territoire Bamsousou Bakokende na région Bao Bakosa la na région Bakoumsousou Bakokende si qu'on a niveau ya nani ya pays donc à niveau à gouvernement central et c'est là nous aurons toujours appuyé bato ba ko remplacer bato bazo kende nous aurons un système qui pourront toujours ba ya ko remplacer bato si nous disons que par exemple conseil na bisu fois à la 25 na quatre territoire ceux qui disent ba kende na province 10 moussous il faut déjà ba remplacer wana banani yango ba ko kende. Donc nous devons créer ce système-là et c'est écrit dans notre projet ici. Projet Nabiso et Zana Yango, Bilo Konyo soit Neza constitué, Tozana Yango, un mécanisme, on a Otogoko Salake Batu, Otogo désigné, Obako Kende Koto, Baom Sousou Bakoti, tout ça, et le mécanisme de remplacement à Batu. Et nous, dans les territoires, nous pourrons nous organiser à Kolobakeno. Moutou ou akosala na administration territoire azala par exemple au-dessus à 50-50 tout ça pour donner un peu caractère rigide na solide ya l'état na biso ba policiers quels sont les critères de recrutement na katia ba territoire na biso les médecins quels sont et tout ça devra être réfléchi na ndenge ya territoire batuna batuba yedi babi ok awa toza na ba hôpital combien nous avons besoin de combien de médecins est-ce que na ba na biso awa toza na ba médecin te nous allons faire une offre na ba région mususu o baza na ba médecin mususu ba ya kosala na biso et puis nous allons les rémunérer selon nos budgets et tout ça parce que l'économie quand elle sera contrôlée par les territoires économie on est kozala capable à koloba salaire minimum na biso a na territoire eza boyeboy et les territoires vont se se concurrencer. Et que bote l'eau comme quoi malamu parce que batuna batu bakoza la fière na place bas bango bazalaka. Le mouluba sera fier, il se dira que nous avons beaucoup d'argent, nous pouvons engager beaucoup de manutentionnaires baouz bazawap. Toko benga batuta msusu na kivu batu bazaye bele kuna boya awa toza na misala kote oyo. Ba misala ekoza la kreya, mais par exemple na ba projet ba infrastructure ba tambu ba to bazo tonga balabala bazana batute ba korekurir na batu msusu. Ainsi ça sera le peuple aura pratiquement un mot à dire sur la gestion du territoire, sur la gestion de la province, sur la gestion même maintenant du pays. À ce moment-là, nous pouvons avoir un parlement de moins de 80 personnes ou bien de un parlement peut-être là-bas, de 260 personnes. Si nous pouvons avoir 10 députés dans quatre provinces. Nous pouvons avoir facilement même moins de 260 parce que bon, là je parle de 26 provinces. Et si nous pouvons avoir 10 mandataires publics, donc députés à côté, chaque province. Donc nous pouvons avoir pratiquement à côté à l'État, à côté à gouvernement central, gouvernement moko à peu près à 25 à 30 ministres. Parce que tout le travail sera fait à la base. Mais ça, là, nous, ce qu'on a fait, et qu'on a fait la base. À ce moment-là, nous ne incriminerons plus une personne comme le président de la République en disant qu'il ne fait rien, en disant que. Toko désacraliser fonctionne à président de la République. Ça sera peut-être une fonction mokoya, protocolaire, tout ça, mais parce que le travail. Il y a ma casse, il y a contrôle, il y a gestion, et qu'on a déjà fait la base. À ce moment-là, le pays va être écosala aéré. Et nous aurons à configurer comment les partis politiques fonctionneront. Et c'est à ce moment-là, on a nous ce genèse, on a ça koloba, awa, ya 4e République que nous voulons vraiment tout et bima eken. Alors, ce projet ici, le président de la République doit s'en approprier. Akene nango na lombangu te. C'est pour cela que nous avions dit qu'on peut conclure les lots. Qu'est-ce qu'il lui faut? Il faut qu'il prenne du courage. Il y a quoi annoncer projet Wana Malamu en Koloba. Projet Oyo, Ezo Sengabiso, nous sommes tous ensemble. Mais pour y arriver,
j'appelle les conférences des états des lieux de chaque territoire et je supprime carrément le Sénat et le la supprimer Sénat dans l'Assemblée nationale pour 2 ans, par exemple pour 1 année, pour que ba politicien a sika tant ou ba ko outa na ba conférence ou na ba territoire tant ou ba ko mata nde ba ko ya ko sala siko yo constitution a sika. Et puis à ce moment là nous allons proclamer une nouvelle république. Tout ceci tokoki ko sala yango dans moins de 2 ans et nous pouvons toujours avoir les élections en 2023 si la volonté politique est là. Toti kana nou makambo ba projet boye ba projet boye. Concentrons-nous sur la réorganisation de notre pays, la réorganisation d'une nouvelle république qui est la 4e république. Nous sommes en train de perdre beaucoup de temps dans la discussion. Et là, je vais m'arrêter là aujourd'hui en espérant que quelqu'un m'a suivi. Je n'ai pas besoin de millions de gens à Bandeko. Bino Bato Bazako s'abonner et que si tu as compris quelque chose, partage l'émission. Et c'est pour cela que n'ndenge bo partager qui même si tu as 1000 têtes, tu as 2000 têtes, tu as suivi, mais l'idée a été adoptée na Katia Yanani à présidence de la République parce que elle est limpide, elle est simple, batunyo so ba ki ko comprendre yango. Merci beaucoup en tout cas une fois de plus pour m'avoir encore soutenu. Na tondeli bino mbula sika elamu. Pour tous les gens qui s'abonnent, en tout cas, j'espère que vous êtes en train de vous abonner et puis partager l'émission. N'oubliez surtout pas, si vous êtes là pour la première fois, laissez un petit commentaire. Cliquez aussi sur cette petite cloche qui vous avertira quand nous mettons en ligne de nouvelles vidéos. Merci beaucoup. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.